ministre, M. Ayman Ben Abdelrahman, a affirmé samedi à Alger que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait accordé depuis son élection une grande importance à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes pour l'édification d'une Algérie nouvelle fondée sur l'état de droit. Président, la cérémonie du lancement officiel de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Monsieur Ben Abdelrahman a souligné que le président de la République a accordé, depuis son élection, une grande importance à la moralisation de la vie publique et à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. En témoigne la mise en œuvre de plusieurs engagements, notamment ceux relatifs au renforcement de la bonne gouvernance et à la réforme globale de la justice pour en assurer l'indépendance et la modernisation. Outre la promotion de la démocratie participative et la construction d'une société civile libre, intègre et active dans le cadre de l'édification d'une Algérie nouvelle. Bien sûr, si je n'étais pas algérien, j'aurais cru que M. Ayman Ben Abdelrahman est le Premier ministre de la Norvège et M. Tebboune est le président du Danemark. Enfin, revenons aux choses sérieuses. M. Ben Abdelrahman oublie de rappeler que la corruption en Algérie est un phénomène économique et social important, dont les causes résident dans le système de gouvernance autoritaire du pays et qui touche tous les secteurs économiques et tous les niveaux de la société. En 2021, l'Algérie était à la 117e place du classement Indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International, loin derrière ses voisins maghrébins, la Tunisie, 70e, et le Maroc, 87e. L'Algérie fait partie des pays qui ne répondent pas aux exigences de transparence fiscale, indique le rapport annuel du département d'État américain sur la transparence fiscale sur un total de 141 pays pris en compte à travers le monde. Le pouvoir algérien a tout fait pour jeter en pâture trois anciens premiers ministres et une dizaine de ministres pour des affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics. Faisons croire aux Algériens que la machine anticorruption a démarré, et ça grâce à M. Tebboune et l'Algérie nouvelle. Une question s'impose à nous, et ce, le procès de la période de Bouteflika, ou est-ce le procès du système ? Dans notre pays, tout a été faussé dès le départ. Les règles ont été prises en secret et un système de cooptation des élites a été mis en place. Il ne restait plus aux décideurs qu'à cocher les noms sur la liste de seuls et ceux qui feraient le chemin avec eux. Voilà finalement à quoi se résumaient les carrières d'Ouihia, Sellel, Bedoui et Tebboune, l'actuel chef de l'État, n'ont jamais été confrontés au suffrage universel. Ils ne doivent leur carrière respective qu'à des nominations succédant à d'autres nominations, où on mesurait le degré de leur servilité qui leur permettait de durer et de servir non pas le pays, mais les intérêts de leurs mentors, les maîtres du moment. Ce régime ne peut lutter, voire combattre la corruption en mettant en tête de gondole des personnes emblématiques, certes, en oubliant de lutter contre les véritables procédés qui ont permis l'émergence de la corruption endémique de toutes les institutions de l'État. Cette corruption est le produit de plusieurs facteurs dont les principaux ont été le sentiment d'impunité, qu'offrait la toute-puissante hiérarchie militaire, la notion de servilité pleine et entière, sans discussion du clan au pouvoir qui ont corrompu le commandement militaire et les services de sécurité, et enfin celles et ceux qui avaient la main mise sur la haute administration. Les principales signatures publiques, à savoir Sonatrach, Sonalgaz, les banques, la justice, les douanes, la direction des impôts et des domaines, et bien évidemment la préfectorale. Tous les aspects de la vie publique dans notre pays, tous les scandales de corruption mis en place, car il s'agit de mise en place, masquent des scandales à venir qui tôt ou tard viendront à être dévoilés et éclabousseront ceux par qui le scandale est arrivé. Une constante résume cette corruption endémique, c'est le rôle de l'institution militaire.
véritable tour de contrôle de la corruption et qui ose, par l'article 30 de la Constitution, alinéa 4, s'improviser garante des intérêts vitaux et stratégiques du pays, mais qui s'attelle méthodiquement à corrompre encore plus ce qui reste d'honnête dans la société, à savoir notre jeunesse. La corruption comme système de pouvoir en Algérie, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Kamel Mouktefi, universitaire militant politique. Il est avec nous via Skype depuis le Canada. Kamel Mouktefi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Filay. Azoul, bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci, cher Kamel. Comme j'ai le plaisir aussi d'accueillir Azdin Toumi, qui est militant politique, il est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdin Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdin. Bonsoir, cher Amin Nassar. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité pour ce débat. Merci beaucoup, Azdin Toumi. Merci à vous deux. Bien sûr, on va commencer cette émission avec vous, Kamel Mouktefi. On en a parlé beaucoup de ce phénomène de la corruption qui touche notre pays, mais aussi toutes les institutions en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette démarche du Premier ministre qui parlait hier donc de mettre en place un système de lutte contre la corruption, mais aussi de transparence en Algérie. Kamel Mouktefi, avant de vous donner la parole, peut-être on va regarder juste les déclarations de Ayman Ben Abdelrahman, si c'est possible. Je pense Soundbite 3, si c'est possible. On va regarder juste cette vidéo, donc les déclarations de Ayman Ben Abdelrahman. Et je reviens à vous très rapidement, Kamel Mouktefi. رئيس الجمهورية منذ انتخابه عناية كبيرة لأخلقت الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله وأنواعه حتى تم لهذا الغرض تفعيل العديد من التعهدات لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتدعيم الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر نزيه ونشط بغية بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون والعدالة. Kamel Mouktefi, vous avez entendu donc Ayman Ben Abdelrahman. Quelle est votre réaction, Kamel Mouktefi? Oui, monsieur Khair, encore une deuxième fois. Je vais me répéter encore par rapport à ce que j'avais déjà dit sur, avec vous dans l'émission. Donc, le pouvoir, il déclare toujours des choses et il fait le contraire. On a été habitué depuis des dizaines d'années, depuis que le système existe. Mais ce que le peuple doit savoir, ce que le citoyen doit savoir, parce que c'est à lui qu'on s'adresse, pas au pouvoir. Parce que c'est le peuple qui est ciblé dans ce discours. Et le pouvoir ne désespère pas de manipuler l'opinion publique et d'envoyer des signaux à l'international aussi pour les rassurer. S'il n'y a pas de réaction à l'interne, si les citoyens, si les élites ne rejettent pas le discours du pouvoir, il va passer, il va être consommé d'une façon très confortable à l'étranger. Ce n'est pas l'étranger qui va condamner notre pays, c'est le peuple qui doit condamner le pouvoir. Parce que quand le pouvoir en Algérie est faible, le pays se voit faible à l'étranger. Donc le peuple et ses élites doivent réagir et recuser ce discours. Il ne peut y avoir de lutte contre la corruption, il ne peut y avoir de transparence sans démocratie. Il ne peut y avoir de démocratie sans ouverture politique
et du champ médiatique. Je m'explique. La corruption n'est pas l'affaire des services de sécurité. La gestion sécuritaire de tous les domaines du pays est un péril pour l'avenir de l'Algérie. Nous ne pouvons pas accorder des pouvoirs exorbitants au pôle économique des services de sécurité pour nous garantir une vie paisible en Algérie. C'est impossible. Nous sommes en train de militariser, d'exercer le tout sécuritaire en Algérie. La lutte contre la corruption passe par des institutions élues, choisies librement par les citoyens. Si des commissions parlementaires, si des commissions wilayales au niveau des APUI, si des commissions au niveau d'APC ne sont pas libres de leur activité pour mener des enquêtes, pour dénoncer les dépassements, on ne peut pas parler de lutte contre la corruption. Si les journalistes ne leur donnent pas le droit d'accès à l'information, on ne peut pas parler de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la dénonciation des pratiques illicites, des pratiques qui conduisent à la corruption, dans les médias, elles sont passibles, sont pénalisées, elles sont passibles de combien d'années de prison? Moi-même, j'ai averti quelques journalistes en envoyant dans le privé quelques informations concernant mon domaine d'expertise pour les alerter. La réponse, qu'est-ce qu'il était? Attention, on ne peut pas toucher à ce sujet. 20 ans de prison sans garantie. Les gens, ils ont peur de faire leur travail. Le journaliste qui n'est pas capable, qui n'est pas libre de dénoncer des pratiques contre la loi, contre les principes fondamentaux de la démocratie, donc l'environnement de lutte contre la corruption n'existe pas. Ce qu'on entend aujourd'hui de la bouche de leur premier ministre, c'est juste un discours destiné à la consommation interne et externe. Très bien. Restez avec nous, Kamel Mouktefi. Azdine Toumi, comment peut-on prendre ces déclarations de Ayman Ben Abdelrahman? Vous avez entendu Kamel Mouktefi, on ne peut pas lutter contre la corruption s'il n'y a pas de légitimité populaire, si les mécanismes ne sont pas transparents, si on peut dire. Est-ce qu'on peut prendre en sérieux ces annonces souvent répétées à l'approche, si on peut dire, des élections? Moi, je pense que le pouvoir, il est sur un autre agenda que le nôtre, bien sûr. Lui, il a ses objectifs, notamment, il est dans la perspective d'abord de 2024. Et puis, avant tout ça, il est dans la perspective d'en finir avec le Hirak. Pour lui, le Hirak constitue un véritable problème pour la stabilité du pouvoir. Et de ce fait, il a mis tout en œuvre, toute son énergie pour arriver à bout de cette révolution, de ce mouvement, chose hélas qu'il n'arrivera jamais à accomplir. Mais en tout cas, il a cette volonté de le faire. Et puis, il y a cette histoire ou cet objectif qui est le BRICS, que l'Algérie, auquel tient vraiment. Et on voit aujourd'hui sur le plan diplomatique comment elle a jeté avec tout son poids, notamment en usant de ses relations avec la Russie et la Chine pour au final s'imposer dans cette institution entre guillemets économique. Donc aujourd'hui, il y a, c'est vrai, comme a dit Kamel, il y a des messages qui sont envoyés d'abord pour l'intérieur et puis pour l'extérieur. Et on assiste ces jours-ci à cette espèce de tentative de la part du pouvoir de redorer le blason sur le plan international, notamment quand il parle des 13 milliards de dollars d'exportation d'or des hydrocarbures, quand il parle des réformes de l'État de droit, d'assainir un petit peu le système financier, etc., la lutte contre la corruption, la moralisation, tout ça. C'est des messages pour tous ces pays qui peut-être sont en train de jouer de leur veto pour empêcher l'Algérie de rentrer dans le BRICS, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que l'Algérie a un autre, le pouvoir parce que nous, au final, on aimerait bien que l'Algérie soit une puissance économique dans la région et dans le monde. Mais il faut que ça soit vrai.
Il faut que ce soit à partir d'indices, il faut que ce soit sur des chiffres, de vrais chiffres. Il ne faut pas que ce soit sur de la propagande, du populisme ou du mensonge. Pas du tout, parce que ça... Même ces pays, Azdin Toumi, même ces pays qui sont dans le BRICS, ils ont accès à des rapports des ONG internationales, des rapports de... j'ai cité même le rapport du département d'État américain sur la transparence fiscale. L'Algérie a été très mal classée. Ces pays, on ne peut pas seulement leur faire des discours, de beaux discours. C'est pas, on n'a pas affaire au peuple algérien de seulement lui dire que l'Algérie est belle, que l'Algérie est une force de frappe, qu'ouwa dariba, et ils vont nous croire, Azdin Toum. Non, c'est pas une question de Azdin Toumi, est-ce que on a un petit souci avec la connexion avec Azdin Toumi? On va essayer de vous faire passer donc les déclarations de Ben Abdelrahman Soundbite One. Tebboune Ben Abdelrahman, c'est par rapport donc à l'aide des pays. On écoute Ben Abdelrahman. هو شيء إيجابي أن الدول الأوروبية ونشكرهم أغلبهم يعني مدونا يد المساعدة ومستعدين باش يديروا التحريات معنا وفي حال اكتشاف الأموال هذه مستعدين باش يحولوهم ليرجعوهم للأصل نتاعهم يعني للخزينة الجزائرية لأدعو كل البلدان والشركاء الأجانب من أجل مساعدتنا ومساعدة الدول النامية في استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج فلا يستقيم أن تطلب منا هذه الدول وهذه الهيئات أن نكافح الفساد وأن نكافح الرشوة ولا تمد يد المساعدة من أجل استرجاع هذه الأموال المهربة بل وتوفير أحيانا الملاذ الآمن لهذه الأموال المهربة. Donc on a entendu Tebboune, aussi le Premier ministre, Ben Abdelrahman. Je ne sais pas si on a... Azdin Toumi, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah, très très bien. Désolé, on a eu un petit souci de connexion. Azdin Toumi, je vous en prie, continuez. Donc vous étiez en train de parler par rapport à la question économique, mais aussi peut-être qu'il y a des pays qui ont fait objection de que l'Algérie adhère, si on peut dire, au BRICS. Tfadal Sazdi. Oui, je n'ai pas les données. Je ne sais pas quel pays et à quel niveau c'est pour parler sans bloquer ou pas. Mais en tout cas, je pense que le pouvoir, il a tout misé sur ses relations avec la Russie et la Chine. Et il espère que ces deux relations qui sont fortes avec le régime algérien puissent être le contrepoids qui va contrebalancer en sa faveur la décision des pays du BRICS. Et revenons à le phénomène de la corruption. Moi, je pense que la corruption en Algérie ne dépend ni des personnes, ni de la volonté du pouvoir à l'endiguer ou pas. Moi, je suis convaincu que la corruption, comme le régionalisme d'ailleurs, et comme la violence, fait partie de la nature de ce pouvoir. Regardez, par exemple, comment le pouvoir a réagi face à toutes les révoltes qui ont été menées par le peuple algérien depuis 1962. Il est incapable de réagir en dehors de la violence parce que ça fait partie de sa nature. Ce n'est pas un pouvoir qui est dans la négociation ou dans le autour de la table, etc., de l'ouverture démocratique, etc. Il est toujours dans la violence. Il est toujours dans cette espèce de... Et puis, dans la corruption, c'est la même chose. Il y a des dirigeants en Algérie qui ont tout fait pour... Bien au contraire, faire impliquer une partie du peuple dans la corruption pour que tout le monde se retrouve. Et ça, souvenons-nous qu'à l'ère Bouteflika, la corruption est institutionnalisée, c'est entre guillemets, c'est devenu un mode de gouvernance. Et chacun, ils étaient là. Et moi, je donne toujours cet exemple. Les Algériens, ils sont tellement pris dans ce sort de chantage
c'est faire chanter le peuple algérien, la société algérienne. Soit vous vous impliquez dans la corruption, soit vous serez, vous allez perdre vos droits, etc. Donc aujourd'hui, ce n'est même pas la volonté. Après, l'expérience nous a appris qu'à travers des années, que le discours du pouvoir, d'ailleurs de plus en plus, est détaché, complètement détaché de la réalité des choses. Et ça, c'est ça où j'ai dit que ça relève de la bêtise. Ce n'est même pas des erreurs politiques que fait ce régime, mais c'est de la bêtise. Il est en train d'être complètement à côté de la plaque. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit d'ailleurs, aujourd'hui, dans ces équilibres géostratégiques, etc., ça ne fonctionne pas avec le mensonge ou la propagande. Aujourd'hui, les choses ont changé avec l'avènement de la technologie, la jeunesse, la fraîcheur la plupart des dirigeants dans le monde, même si on retrouve chose qu'ils disent, qu'eux, ils se comparent à Biden ou autre. Mais regardez les cabinets qui sont derrière, ceux qui sont dans la communication, dans la réflexion, dans des groupes de travail, vous avez trouvé de la jeunesse, de la fraîcheur, qui maîtrise l'outil informatique, qui maîtrise les outils d'aujourd'hui. Donc, et nous, nous sommes l'Algérie est prise entre les mains d'un groupe de personnes qui sont là à gérer leur carrière, à se maintenir au pouvoir, à se partager les avantages et les intérêts, et puis avec des coups de force. Ce n'est même pas en essayant de s'ouvrir un petit peu, de s'adapter à ça. Ils ne font même pas l'effort de s'adapter à cette ère nouvelle, à ces nouveaux défis, à ces nouveaux challenges. Non, bien au contraire, ils sont là, ils veulent ressusciter l'ère Boumdienne, ils veulent ressusciter Adem El Hiyaz, ils sont là en train de dire, c'est comme s'ils disent aux Algériens que nous, on va retourner avec les pratiques des années 60-70, et c'est ça le match de l'Algérie. Très bien, restez avec nous, Azdine Toumi. Kamel Mouktifi, je vais revenir à vous. On a entendu, bien sûr, dans cette vidéo que j'ai fait passer, Ayman Ben Abdelrahman faire appel au pays donc, de coopérer avec l'Algérie pour récupérer donc, l'argent détourné, si on peut dire. Mais aussi, on a entendu Al-Majid Tebboune dans une interview parler de dire qu'on a récupéré l'équivalent de 20 milliards. On écoute Al-Majid Tebboune et je reviens à vous très rapide. نلتزمت باش نرجع الاموال هذه وترجع ان شاء الله لان لو كان عارفين الحجم الحقيقي نقول لك نرجع منها 60 ولا 70 ولا 80% ولا 100% ماناش عارفين الحجم الحقيقي ولكن الشيء اللي ظاهر الممتلكات العمارات في الخارج هذه 100% فيش في الداخل انا كذلك في ما يقارب 20 مليار دولار يعني ما يساوي 20 مليار دولار هذه رجعناها وراكم شفتوا انتم الحيل علاش انا منين نقول الجزائر الجديده الجزائر الجديده على الناس كل حتى الناس باش تغير التصرفات تاعها نلتزم دونك سا سيتي لي ديكلاراسيون دو المجيد تبون Rappelons-nous de tweet qu'a fait Ihsan Qadi quand cette information a été donnée par Abdelmadjid Tebboune. Le tweet, le Trésor public a récupéré 20 milliards de dollars de chi les oligarques de la Isaba, a affirmé sans sourciller le président Tebboune. Comment peut-on oser dire quelque chose d'aussi mathématiquement grossier à des citoyens réputés les mieux scolarisés en Afrique? Kamel Mouktif. Oui, cette question peut-être que va me ramener à rejoindre Ihsan Al-Qadi dans sa prison, parce que lui-même, il l'a déclaré dans le... Donc, ça lui a coûté toute une cabale judiciaire. Mais on n'a pas peur, on n'a pas peur. De toute façon, on ne rentre pas au pays, on est condamné. On est condamné, on ne va pas rentrer au pays, on ne va pas leur donner l'occasion de le mettre au pouvoir. Justement, je parlais de démocratie, de principes fondamentaux de la démocratie. L'accès à l'information. L'accès à l'information est un élément fondamental dans une démocratie. On vit actuellement dans une démocratie au Canada, où vous vivez en France et en Angleterre et tout ça. Les médias, les hommes politiques, les élites ont le droit d'avoir accès à l'information et de vérifier si vraiment ou pas, avec des documents traçables, que les 20 milliards sont récupérés ou non.
Est-ce qu'aujourd'hui en Algérie, il y a un journaliste qui peut se présenter devant le ministère des Finances, devant le Parlement algérien, devant le chef du gouvernement et demander des documents officiels attestant que les 20 milliards sont récupérés? Impossible. Celui qui ose demander, il va se retrouver à Sharia, comment s'appelle, à la Dar al-Bayda ou directement à Haraj. Donc, nous ne pouvons pas vérifier, nous sommes en face d'un pouvoir qui multiplie les mensonges. C'est des mensonges d'État qui sont destinés à redorer son blason envers le peuple. Parce que réellement, une partie de ces mensonges-là, je vous assure que ça marche. Parce que j'ai des amis, honnêtement, j'ai des amis avec qui j'ai lutté dans le Hirak. Et c'est des gens qui ne sont pas dotés d'un pois chiche dans leur tête. C'est des gens intelligents, qui ont fait des études supérieures, qui se laissent berner par ce genre de discours. Parce que, je ne sais pas pour quel objectif, mais le pouvoir, il arrive quand même à manipuler une partie. Donc, il faut faire très attention, il faut le répéter. Nous ne pouvons pas croire à une information qu'elle émane du pouvoir, quel que soit, même s'il est élu démocratiquement. Tant que le journaliste, le spécialiste de l'information n'a pas vérifié, tant que le député de l'opposition n'a pas le droit d'accès à ces documents-là qui vont attester de la véracité de ces déclarations, nous ne pouvons pas croire. Aujourd'hui, même avec, avec un parlement fantoche, élu à 5%, est-ce qu'un député, on peut avoir des députés honnêtes dans cette assemblée-là, les gens qui ont cru à un moment donné qu'il faut s'embarquer dans un processus électoral pour faire changer les choses. On peut trouver. On peut au moins avoir un ou deux. Ces éléments-là, ces députés-là, est-ce que demain, s'ils demandent auprès du gouvernement, auprès du ministère des Finances, d'avoir les documents, d'avoir les preuves concrètes comme quoi ces 20 milliards sont bien dans les caisses de l'État, je ne pense pas. Et je suis convaincu qu'ils ne vont pas avoir l'information et vont même les intimider pour rester tranquilles et se raffermer définitivement. Donc, nous ne pouvons pas croire. Tant que la preuve n'est pas présente, on ne peut pas croire. On ne peut pas croire à toutes les déclarations de ce pouvoir-là parce qu'ils sont mensongères. C'est des mensonges. On ne peut pas lutter contre la corruption sans la démocratie. Ce sont les députés, ce sont les commissions parlementaires qui font pression sur l'exécutif. Ce sont les différents paliers de la justice qui doivent justement veiller à ce que la corruption n'existe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice algérienne, elle inspire confiance? Vous prenez n'importe quel Algérien dans la rue, et quel que soit son âge, il va vous parler de la justice de téléphone. La perception, elle est là. La perception, elle est réelle. Que les juges, les procureurs reçoivent des coups de téléphone pour mettre X ou Y en prison. Regarde juste aujourd'hui, et c'est récent, et nous devons en parler, le docteur Kamel Aïssat, qui est un scientifique spécialisé en santé environnementale, il a dénoncé un cas de corruption à Ouadamizor sur la mine de zinc de Ouadamizor qui a engagé des travaux de manière floue, sans traçabilité, sans document officiel, sans rien du tout, aucune étude d'impact sur l'environnement, sur la santé publique. Qu'est-ce qu'il a eu comme réponse aujourd'hui? Hier, on lui a enlevé son passeport, il a eu un STN, et aujourd'hui, convoqué de manière expéditive devant le procureur, puis devant le juge d'instruction, pour lui signifier qu'il est sous contrôle judiciaire. Voilà la corruption, comment ça se passe aujourd'hui. C'est contradictoire. Le peuple qui écoute et doit savoir qu'un spécialiste qui lutte contre la corruption, on l'a appelé devant la justice qui est censée faire barrage, empêcher la corruption, on lui a signifié de se la fermer. Et on entend le Premier ministre professeur Kamel Aïssat. Pardon ? On va juste mettre à l'écran la photo de Kamel Aïssat, professeur Kamel Aïssat, qui a été condamné aujourd'hui et il a été mis sous contrôle judiciaire. Tfadal, c'est Kamel. Oui, exactement. Nous sommes devant une réalité. C'est aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Vous me montrez les déclarations et les déclarations du Premier ministre
qui soit disons avec une stratégie nationale de lutte contre la corruption et pour la transparence. Et vous avez un scientifique reconnu professeur d'université à l'université qui lutte contre la corruption, qui lutte pour la santé publique et la même justice qui est normalement un instrument infaillible, qui devait être infaillible dans un processus, dans un mécanisme de lutte contre la corruption. La justice est le mécanisme, c'est la colonne vertébrale de la lutte contre la corruption. Elle vient de démontrer aujourd'hui, c'est un instrument de corruption. Elle vient de condamner quelqu'un, un spécialiste, un scientifique, en le rappelant à l'ordre pour se la fermer et fermer ses yeux devant un cas flagrant de corruption à ciel ouvert. Très bien. Restez avec nous, Kamel Mouktefi. Restez avec nous, Kamel Mouktefi. Puisque vous avez donc évoqué le cas de professeur Kamel Aïssat, on va vous faire passer cette petite vidéo de la fille de Nordine Tounsi. Lui aussi, donc, il a dénoncé la corruption, mais malheureusement, il s'est retrouvé jeté en prison. On écoute le témoignage de sa fille. سجنا واعتقال ما دام والدنا يعتقل للمرة الثانية بطريقة أبشع من الأولى وهذه المرة بتهمة دون وقائع أو أحداث أو أدنى دليل أيعقل أن يعتقل الإنسان بتهمة دون وقائع أو أحداث أو دليل نعم أبي مسجون حاليا بهذا الوضع من له مصلحة في سجن أبي أم هي تصفية حسابات ارفعوا عنا هذا الظلم واطلقوا سراح والدنا كفاكم ظلما واستحقارا فهو بلغ في النور لا في الظلام بلغ علنا كي يوصل صوته ونداءاته إلى أعلى السلطة والتبليغ عن الفساد ليس بجرما اطلقوا سراح والدنا ودعوا وشأنه الظلم ظلمات يوم القيامة Donc, il a dénoncé la corruption, Nordine Tounsi. Donc, on a entendu le témoignage de sa fille. Azdine Toumi, il y a en Algérie, tous ceux qui dénoncent la corruption se retrouvent, poursuivis en justice, par la justice ou jetés en prison, Azdine Toumi. Oui, ça c'est une preuve supplémentaire que c'est le régime qui utilise la corruption pour asseoir son pouvoir, pour se maintenir. Aujourd'hui, les postes de responsabilité sont distribués non pas sur la base de compétences ou de parcours de carrière et d'expérience, etc., et de niveau et de diplôme, mais au contraire, elle est faite à la base de récompenses de ceux qui sont fidèles de groupes, de chara, de régions, de arches, etc. Donc on est dans tout ça. Et la corruption, et je l'avais dit tout à l'heure, je le répète, fait partie des piliers sur lesquels le régime se maintient. Et si je peux me permettre de revenir sur l'argent récupéré, moi d'abord, à la base, contrairement à ce que veut faire croire le pouvoir, parce que dès le début, le pouvoir a voulu faire croire aux gens que l'emprisonnement d'une partie de l'Aïssaba, certaines personnes et certains responsables au gouvernement, etc., étaient dans la lutte contre la corruption. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je pense que parmi les premières tentatives, manœuvres du pouvoir pour récupérer la récupération du Hirak, première manœuvre contre le Hirak, c'était cette volonté de faire croire aux gens que voilà, on a commencé la lutte. C'est vrai que les personnes qui sont en prison, bien sûr, qu'ils ont fait du tort, et un tort très important. Mais moi, je suis convaincu que ça s'inscrit dans une autre campagne de petits calculs entre les responsables et entre les différentes parties au pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec trois premiers ministres en prison, combien de ministres, combien de personnes, combien de responsables, combien de procès, etc. Mais la corruption, elle est toujours là. Et bien au contraire, c'est amplifié par les erreurs dans la gestion qui ont été commises dernièrement, ces dernières années, dans la gestion
de certains ministères, notamment les ministères qui sont sensibles et qui interviennent dans l'économie, dans le commerce, l'économie, l'industrie, etc. Donc ces erreurs, ça, des fois, il y a des quand on installe des barrières, des entraves, dans le commerce et dans l'économie, ça favorise automatiquement la corruption. Quand vous bloquez l'activité de quelqu'un, il va chercher le moyen, etc. Et c'est on rentre dans ce cercle vicieux. Et puis l'impunité vive des responsables. On voit clairement comment le comportement de certains walis, si c'est pas tout le monde, et certains responsables, et certains comment ils se comportent dans leur secteur. Et on voit clairement qu'il n'y a pas de prise de responsabilité, qu'ils sont là comme des rois, comme à faire des sultans, à faire ce qu'ils veulent, sans qu'il y ait un quelconque hisab après, et qui va prendre le coup, qui va accuser le retard, c'est le pouvoir. Moi, je veux dire que ce régime-là, ça ne sert à rien d'aller chercher des coupables ailleurs, dans le commerce, dans les certains cadres, etc. Moi, je pense que le régime, depuis 62, et toutes les équipes qui se sont succédées au pouvoir, et là, c'est eux qui vont prendre la responsabilité totale du sous-développement de ce pays et de ce marasme que vit l'Algérie à tous les niveaux. Il faut dire la vérité au peuple. Si on continue dans le mensonge, Al-Jazair, Al-Jadida, etc., mais tout ça, c'est le mensonge nous mènera à rien du tout. On ne peut rien construire avec le mensonge. Et il faut dire la vérité. Voilà. Et il faut dire la vérité. Et pourtant, dans la campagne électorale, avant les élections présidentielles de 2019, Al-Majid Tebboune a parlé donc de son cheval de bataille qui était lutter contre la corruption. Si on se rappelle de ce qu'a lancé la contre-Khotta, mais aussi ses déclarations dernières qui a parlé de moraliser donc la société, on écoute Abdelmadjid Tebboune, soundbite 6 si c'est possible. Il a parlé donc de moraliser la société. Qu'est-ce que cela veut dire? On l'écoute. محاربه الفساد اخلقت المجتمع لازم الناس تعرف باللي بدون اخلاق كل شيء يروح حتى داخل العائلة كل شيء يفسد نحارب 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 تكون فيه إجراءات حتى إجراءات تنظيمية بالنسبة لنا بالنسبة للأجهزة هذه الخفية والظاهرة اللي تحارب كمال مكتفي يعني أخلاقات الحياة السياسية موراليزي دونك la politique en Algérie. On a beau entendre des mots qui font rêver, bien sûr, mais malheureusement, il y a un déclin total en termes de valeurs, en termes de morale en Algérie, mais bien sûr, à une situation qui est très inquiétante à tous les niveaux, Kamel Mouktif. Des fois, j'ai peur de certains mots quand je les entends prononcés par certains qui n'ont rien à voir avec. La morale est un concept normalement qu'on doit prononcer avec une certaine subtilité, avec un certain recul, avec une certaine responsabilité. Mais ce sont les dernières personnes qui doivent parler de moralité parce qu'ils sont immoraux. Le mot moral, il ne s'applique pas à eux, il ne doit pas sortir de leur bouche parce que depuis 62 à ce jour, tout ce qu'ils ont fait, c'est immoral. Ils ont écrasé un peuple et c'est immoral. Ce pouvoir est une hydre, ce système est une hydre. L'IFA, il a 7 têtes, même plus. Il ne s'agit pas de couper une tête pour dire que nous avons réglé le problème. À chaque fois qu'une tête de cette hydre est coupée, il y a une autre qui repousse. Et ça régénère. Donc allez-y, googlez, vas-y sur Google, tapez le mot hydre, vous allez voir comment ça se passe, c'est biologique. Vous coupez en 48 heures, la tête repousse, ça régénère. Ça ne veut pas dire que le Hirak, ils ont mis une partie du Hesaba en prison, quelques personnes qui sont des figures de la corruption à la Kolihal,
que le problème est réglé. Il n'est pas réglé le problème parce qu'une autre tête de Aïssata a poussé depuis. Maintenant, on avait une hydre à cette tête. Maintenant, il est devenu plus que 7. Donc, le système, il est le même. Pour se débarrasser de la corruption, il faut se débarrasser du système. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Parce que le système se nourrit de la corruption. Il ne peut pas s'auto-flageller, il ne peut pas s'auto-mutiler. Le système ne peut pas s'attaquer contre lui-même. Parce que s'il désire s'attaquer à la corruption, c'est qu'il s'attaque à lui-même. Il ne peut pas vivre sans la corruption, sans le clientélisme. Et c'est ça sa nature. Nous vivons à l'étranger. Ce que nous pouvons apporter à notre pays, ce sont, entre autres, des conseils. Je suis là au Québec. Depuis mon arrivée, j'ai vécu deux épisodes de lutte contre la corruption. Deux commissions. La commission Gomery, qui touchait le Canada entier et le Québec en particulier aussi. Et la commission Charbonneau. Vous avez des commissions de lutte contre la corruption avec des effets, avec de l'impact positif. C'est des commissions télévisées. Et les services de sécurité n'interviennent qu'en dernier lieu, qu'en dernier moment, comme veut le présenter le système algérien, comme si la lutte contre la corruption passe nécessairement et essentiellement par les services de sécurité, parce qu'il est dans sa logique de militarisation de la société. Les services de sécurité, ils interviennent en dernier lieu, une fois que les conclusions tirées sur les mécanismes qui régissent la corruption dans un pays. Ici au Québec, les avocats, les journalistes, les intellectuels, les anthropologues, les hommes politiques, les partis d'opposition, les partis au pouvoir, le débat est transparent. Le peuple est longtemps une télévision dédiée chaque jour, du matin au soir, pour voir tous les gens interviewés, tous les gens qui passent devant la juge, devant les avocats pour répondre aux questions. Et de cette façon-là, le peuple, il suit. Il suit les opérations de lutte contre la corruption dans la transparence. Voilà la transparence. Très bien. Si vous voulez qu'on aide notre pays, voilà les idées qu'on peut apporter. Allez-y, c'est une expérience. Pratiquez-la en Algérie. Vous allez voir comment la corruption va disparaître en Algérie. Donc, très bien, restez avec nous. Pardon ? Tafadal, finissez votre idée, Sikam. Oui, parce que le pouvoir algérien, il est otage d'un système. Il est otage d'un système, comme je l'ai expliqué, c'est une hydre. Et on ne peut pas lutter contre la corruption en enlevant un directeur, un ministre ou un organisme. C'est tout un système qui doit tomber. C'est très bien. Restez avec nous, Kamel Mouktefi. Azdin Toumi, Kamel Mouktefi est en train de dire que la question est une question de système. Elle n'est pas une question de personne, ni de ministre, ni d'ancien premier ministre. Si on veut lutter contre la corruption, si on veut qu'il y ait une transparence, il faut changer de système. Il faut donc couper avec ce système qui a fait de la corruption, donc si on peut dire, un système de gouvernance, entre guillemets. Azdin Toum. Oui, bien sûr. Il n'y a que le vrai changement du système qui pourra mener à la disparition de la corruption, à libérer la justice, à instaurer la démocratie, à construire un état de droit, etc. Tous ces fondamentaux auxquels les Algériens croient et veulent. Donc, et c'est là que moi je fais le lien avec... Parce que des fois, le pouvoir ou le régime veut faire croire aux gens qu'il est puissant, qu'il a en fini avec le Hirak, qu'il a retrouvé son équilibre, qu'il est dans l'après Hirak, dans la nouvelle époque, etc. C'est bien au contraire. Et le régime, le pouvoir n'a jamais été aussi fragile, aussi déstabilisé. Et d'abord face à un bilan négatif à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, une impasse politique qui est là. C'est quoi les perspectives de pouvoir à part imposer un autre mandat de chef de l'État? Qu'est-ce qu'il a comme choix? Et imposer un deuxième mandat sur quelle base, sur quel bilan, sur quel projet?
Donc toutes ces questions-là, le pouvoir, il aura du mal à affronter la population, ne serait-ce que pour un simulacre. Mais nous, on a l'habitude d'être face à un pouvoir qui opère toujours avec des coups de force. Dans le meilleur des cas, c'est une fraude électorale et de la triche. Et dans le pire des cas, c'est des coups d'État inanés, plus ou moins inanés. Donc, j'ai peur pour cette Algérie parce que la nature de ce pouvoir ne change pas. Et il n'y a aucun signe de la part du pouvoir qu'il a des intentions d'aller vers l'assouplissement des choses, d'aller vers le relâchement, d'aller vers l'ouverture. Bien au contraire, c'est la fermeture, c'est la violence. Et c'est ça ce qui va faire mal, c'est que tourner le dos au Hirak, tourner le dos à la volonté du peuple, notamment la jeunesse, systématiquement ça va mener vers l'échec. Rien ne réussira en dehors ou contraire à la, quand on est contre la volonté du peuple, la solution et pourtant, était dans le Hirak. Et pourtant, Azdine Toumi, par exemple, hier, l'Algérie et la Palestine ont signé un mémorandum d'entente de coopération en matière de prévention et de lutte contre la corruption avec l'instance palestinienne. Est-ce que vous pensez que cette signature de mémorandum avec l'instance palestinienne est une preuve qu'on est en train malheureusement de dire que la lutte contre la corruption en Algérie, elle ne va pas avoir lieu, sachant que ce qui se passe par exemple avec cette instance palestinienne, tous les scandales qu'il y avait en termes de corruption. Azdine Toumi, votre réaction par rapport à cette question ? Vous savez, à certains niveaux diplomatiques entre les nations, entre les pays, quand il s'agit de manipulation sur le plan international, ça finit toujours par un chèque par là, on s'entraide sur des positions par là, par ci. Moi, je ne pense pas que ce genre de signature ou de l'Algérie a signé à ratifier la majorité de toutes les concernant les droits de l'homme, les droits des humains universels. Et puis on voit en Algérie comment elle piétine les droits de l'homme, comment c'est piétiné, comment il y a des dépassements chaque jour, il y a des procès partout et chaque jour. Donc entre la signature et entre les faits et le waqa à l'intérieur du pays, Et puis vous voyez comment l'Algérie, comment ce régime est en train de ramener l'Algérie à des positions vraiment, vraiment, au lieu d'être parmi les plus grands. La Palestine, avec tout mon respect avec ce pays, je suis solidaire avec le peuple palestinien. Mais aujourd'hui, l'Algérie, c'est un pays indépendant. La Palestine, elle est sous domination. Ce n'est même pas un pays indépendant. Elle n'est même pas présente à l'ONU. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle a obtenu son indépendance depuis 61 ans. Elle a une jeunesse exceptionnelle, des cadres, des richesses. Elle a tout pour réussir. Et aujourd'hui, l'Algérie, sa place, elle est ailleurs. Elle est entre les... Et malheureusement, c'est ce régime qui est en train de ramener l'Algérie à de petites échelles, au bas de l'échelle. Très bien, restez avec nous Azdine Toumi. Kamel Mouktifi, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez que ce régime est conscient de la situation que vit notre pays? Bien sûr, on parle de la corruption. Est-ce qu'il y a, vous pensez qu'il y a l'optique des élections présidentielles de 2024? Aussi, est-ce qu'on peut continuer à gérer l'Algérie de cette façon et dire que de parler de cette Algérie nouvelle et de parler d'une situation qui n'existe pas? Oui, il faut qu'on fasse attention quand on s'adresse au peuple dans cette période surtout, hein, parce que il y a le discours à l'intérieur de la société qui dit que vous êtes contre tout ce que fait ce pouvoir-là, vous êtes toujours dans la négation, vous êtes toujours dans la critique, vous n'avancez rien, il faut toujours faire très, très attention.
Il faut être clair, il faut avoir un discours très clair, que ce pouvoir ne peut pas lutter contre la corruption. Mon analyse à moi et ma perception de cette démarche d'aujourd'hui du pouvoir, basée sur l'expérience que nous avons vécue avec ce système, c'est un message, cette lutte contre la corruption, c'est un message d'un clan contre un autre. On peut retourner dans l'histoire, on va voir le Hamel, on va voir qui dit que celui qui veut lutter contre la, celui qui veut lutter contre la corruption doit avoir les mêmes propres. Les mêmes propres, absolument, donc, les déclarations de Hamel. Guerre des clans à l'intérieur, c'est un message d'un clan contre un autre. Fermez-la, laissez-nous organiser les élections présidentielles pour donner un second mandat à notre candidat et fermez-la, sinon vous allez rentrer en pouvoir, en prison et rejoindre les autres. Donc, mais globalement, pour rester cohérent 10 secondes, hein. Avec notre... Oui. Oui, avec notre vision, il ne peut pas y avoir de lutte contre la corruption si la justice n'est pas indépendante. Si les élections ne sont pas propres et honnêtes pour que le peuple choisisse ses propres députés, ses propres représentants. La presse, elle n'est pas libre, elle ne peut pas y avoir de lutte contre la corruption. Donc le régime est le même, ces discours, il faut les interpréter ailleurs que dans le souci Merci. De l'intérêt du peuple. Merci beaucoup Kamal Mouktifi. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Kamal Mouktifi, universitaire militant politique. Vous étiez avec nous depuis le Canada. Merci aussi à Azdine Toumi, militant politique. Il était avec nous depuis Alger. Merci, chers téléspectateurs.